Hey, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le constater, le tas de bois est plein pour l'hiver prochain. Donc il est temps d'aller en forêt pour refaire le stock. Je viens donc de rentrer 7 stères de bois sec, de bois dur. Je n'ai fait qu'affûter avec ma petite lime. Ça fait super bien le taf, mais c'est pas super précis. Donc là, il est temps de lui redonner une seconde jeunesse, de lui donner le même angle de coupe à toutes les petites gouges de la chaîne. Donc bah écoutez, on va meuler ça, on va faire un petit nettoyage, on va faire des petites vérifications sur la tronçonneuse afin qu'elle soit méga opérationnelle pour le jour J. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Il y a 4 ans, les coupes de bois pour le bois de chauffage ne trouvaient pas preneur. Ça fait 2 ans que ça part à des prix faramineux. Il y a des lots qui sont partis à 95 euros, les amis. 95 euros de bois à faire. Incroyable. 20 euros, 30 euros, je veux bien, mais 95 euros. Incroyable. J'ai réussi, via ma nouvelle garde forestière, à avoir une petite partie de bois, petit lot de nettoyage de bois. Avant de partir à l'assaut et à l'attaque de ce petit lot de bois, il va falloir absolument checker tout le matériel. Allez la compagnie, impatient de pouvoir enfin débuter ma petite saison bois. Ça va pas être grand, ça va pas être beaucoup, ça va pas être énorme, mais il faut le matériel aux petits oignons pour que ça se passe au mieux possible. Allez, on va préparer tout ça avant d'aller en forêt. C'est parti! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. La compagnie, on est le 1er avril, hein, c'est pas un poisson, tout le matériel est prêt, les deux tronçonneuses sont révisées, affûtées, tout est nickel. J'ai préparé les huiles, l'huile pour le mélange, l'huile pour la chaîne, j'ai mon petit bidon d'essence, j'ai déjà fait un petit mélange, voilà, donc tout est plutôt bien. J'ai encore ce bidon à finir, plus grand chose dedans. J'ai préparé tous les petits matériels, la sapie, le petit merlin que j'avais trouvé l'année dernière qui était aussi bien. J'ai mes petites chaînes de rechange, petite hachette, des gants, les pinces pour transporter, encore des chaînes, le petit sac à outils avec de quoi réparer ou retendre les chaînes sur le terrain. Et manque de bol, et bah aujourd'hui. Alors on en a besoin, hein. C'est pas le problème. Hein. Par contre, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Il pleut. Ça fait 2 jours qu'il pleut. En forêt, ça va être dégueulasse. Bon, bah ce sera pas pour aujourd'hui. Parce que même si ça s'améliore, je pense pas qu'on puisse y aller vraiment pour travailler cet après-midi. Déjà là, je vais aller faire un tour. Je vais vous emmener avec moi. Elle m'avait dit qu'elle allait me marquer tout ce qu'il y avait à couper et tout ce que je pouvais prendre. Je vais lui ramener le bon de commande avec mon petit lot. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, on va aller voir ça. Bon, ça y est, on est enfin en forêt.
Ouais, ça fait plaisir. Bon, ça fait vraiment, vraiment chier hein, que je puisse pas commencer aujourd'hui. Mais bon, allez, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver, ce que j'ai réussi à me dégoter. Donc, c'est un énorme, énorme chêne qui est tombé. Tombé parce que bah il était pourri en plein milieu. Voilà. Là, on voit bien que c'est complètement pourri. Allez, donc c'est vraiment pas du bois de première qualité, mais peut-être qu'avec un petit peu de chance, en débitant un peu, on essaiera peut-être de trouver quelques morceaux, mais là, ouais, là c'est du dégueulasse. Hein. Donc je sais pas s'il a pris la foudre en plus d'avoir été pourri de l'intérieur. En tout cas, voilà, hein, vous voyez les dégâts que ça a fait. Hein. Quand un gros bébé comme ça tombe. Bah, ça entraîne dans sa chute pas mal de casses. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de petites choses à couper. Ça, c'est vraiment cool. On a le boulot. Là, même ce petit être-là, bah, je vais le récupérer hein, automatiquement. Bah, elle l'a marqué aussi. C'est cool. Voilà. Bah, écoutez, il y aura un petit peu de travail. Ça va pas être les gros lots des autres années. Mais peut-être. Que ouais, celui-là il m'a l'air bien sain, ça c'est cool. Donc j'aurai au moins la couronne de là jusqu'au bout. Donc tout ce qui est entremêlé, enchevêtré, tout ça, non, c'est cool. Hein. Je pensais pas en avoir autant. Bah là, on en a encore un. Voilà, cool. Bon, bah il y aura quand même un petit peu de bois, c'est ça, c'est vraiment cool. En espérant que le chêne, alors tout va se jouer en fait sur le chêne. Si le chêne et pourri jusqu'à la moitié là, vous voyez là ça fait un tronc qui fait déjà pas loin de 50 cm, 60 cm. Donc là il y aura du bois, hein, ça va aller vite. On a le boulot qui est en plein milieu, on a là derrière. Non franchement là, il y a quand même du boulot. Hein. Là j'ai les deux beaux, deux gros même. Hein. Ah ouais, non mais il y a du bois. Hein. Cool, une belle affaire. Ouais, vous voyez. Je vais pas rester trop longtemps parce que comme vous le savez, hier dans les Vosges il y en a un qui s'est pris un arbre sur la tête et bah il en est mort hein, avec la tempête Mathis là. C'est peut-être pas le meilleur moment que j'ai choisi pour aller en forêt. Bon la compagnie, je vais pas traîner trop longtemps en forêt avec le vent qu'il y a, le sol est quand même maintenant bien mouillé. Donc vous avez vu la dernière fois que bah c'était assez tendu hein, un arbre est vite tombé avec une bonne rafale de vent. Donc écoutez, je suis vraiment hyper impatient de commencer ce lot de bois. Je pense en tirer beaucoup moins que les autres années, donc ça devrait aller plus vite, même s'il y a un petit peu plus de boulot, parce que vous avez vu que tous les bois étaient vraiment, vraiment entremêlés, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais ça me fait pas peur. Au prix où je vais payer ce petit lot de bois, franchement, ben, j'ai vraiment pas à me plaindre. Voilà, je vais essayer de pouvoir venir cette semaine enfin commencer. Tout le matériel est prêt, vous l'avez vu. On va croiser les doigts pour que le temps se calme, la pluie se calme. Parce que là, c'est assez compliqué quand même de venir jusqu'ici. J'ai toujours pas mon 4x4. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Pour enfin pouvoir commencer ce fameux lot de bois. Bon la compagnie, on est lundi, ça y est, enfin je vais pouvoir commencer. Le temps s'est calmé, il pleut plus. Il y a encore un petit peu de vent, il fait pas très chaud, hein, il doit faire 8 degrés. Mais c'est la température idéale pour travailler en forêt, faire le bois. Moi c'est ce que je préfère. Allez bah écoutez, sans plus attendre, hein, parce que là après toutes les déconvenues, je vais enfin pouvoir commencer. Allez on va se lancer, je vais faire les pleins. Je vais mettre mes gants. Toute la tenue de sécurité est sur moi. Allez, on commence avec la petite tronçonneuse. Hein. Ça va surtout être pour faire un gros ménage. Allez, je fais les pleins. On se retrouve là en bas. Allez, les pleins sont faits. Elle ne demande qu'à tronçonner. Alors avant d'allumer tout ça, je vais vous expliquer ma démarche. Comment je vais procéder. Donc je vais déjà m'atteler à faire un maximum de ménage, enlever toutes les branches qui vont traîner, qui vont me déranger, pour accéder le plus vite possible là derrière. Ensuite, je couperai le bout de la couronne de chêne qui est là, afin de libérer tous les arbres qui sont marqués que je devrais abattre par la suite, histoire de pas trébucher sur quelque chose, de pas voilà quoi, histoire d'être propre et le plus en sécurité possible. Allez, après tant d'attente, c'est le moment.
On va démarrer et on va commencer. Alors on va voir comment elle se comporte. Premier démarrage à froid. Je pompe. La Husqvarna démarre toujours très bien. Voilà, j'enlève le starter. Ça change de la style, hein. Eh ouais, allez, c'est parti. Bon voilà la compagnie, fin de cette vidéo, je sais elle aura mis du temps à partir. En tout cas si vous voulez voir la suite, du moins le vrai début de mon affouage 2023, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont abonnés, un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas, comme diraient certains, à chatouiller les algorithmes, histoire que ma chaîne redécolle un petit peu, parce qu'en ce moment, elle est en pleine hibernation, malgré les vidéos que je mets. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Moi, je vais continuer. Ciao.